Benjamin Castaldi est une figure emblématique du PAF. Depuis plus de 20 ans, le fils de Jean-Pierre Castaldi s'est imposé en tant qu'animateur incontournable grâce à des émissions à succès, comme Loft Story sur M6, puis Secret Story pendant 8 ans sur TF1. Mais s'il a réussi à se construire une carrière, c'est aux dépens de sa vie de famille. À lire aussi, Cathy Priest insulte son ex Dwight York, père absent pour leur fils autiste. Suicide de Ludovic Chancel, le fils de Sheila, Ringo, ce père absent, j'essaie de rattraper le retard, j'essaie de rattraper le retard. Jean-Claude Canu, père absent, Papy Gaga, j'essaie de rattraper le retard. En effet, Benji a connu de nombreux rebondissements dans sa vie sentimentale. Divorcé 3 fois, il est aussi le père de 3 enfants. Les aînés, Julien, 21 ans, et Simon, 18 ans, né de ses amours avec Valérie Sapienza, et le petit dernier Enzo, le fils qu'il a eu avec Flavie Flamand. Désormais marié à Aurore Allemand depuis août 2017, Benjamin Castaldi vit également avec les 2 filles de sa belle, Jade, 17 ans, et Louise, 13 ans. Lors d'un long entretien pour Gala, le présentateur a accepté d'ouvrir les portes de chez lui et se confie sur sa joie d'avoir retrouvé une stabilité familiale après avoir avoué sa longue absence auprès de ses enfants. Pour être honnête, je n'ai pas été un père exemplaire pour mes garçons, loin de là. Les 2 grands, pendant longtemps, je ne les avais qu'un week-end sur 2. Et encore quand mon boulot me le permettait. Je m'étais éloigné d'eux et ça me rendait malheureux. Je me rattrape aujourd'hui, peut-on lire dans les colonnes du magazine. Cette sérénité retrouvée, Benjamin Castaldi le sait, il la doit au nouvel amour de sa vie, Aurore. Je dois ma renaissance à Aurore. Elle m'a hébergé, soutenu, encouragé, avec patience et énormément d'amour, déclare-t-il amoureusement avant que sa femme ne complète, la famille, ses secrets. Au début de notre relation, j'ai tout de suite exprimé mon désir de former une famille, avec ses enfants et les miens.